Le match. T'inquiète. Il est carré dans l'axe. Allez, ça grande part. Finale. Striker Bescol, du côté de Bescol. L'invasion française qui va peut-être payer pour lui. Contre Super Striker, notre abonné, notre roi de Belgique. Le roi de Belgique invaincu. Enfin si, il a été vaincu, mais t'inquiète. Eh, hey, j'attends la communication de Oplon. Voilà. Oplon qui a lâché la com. Let's go. On s'est encore mentionné. Vraiment la meilleure com que j'ai vue de ma vie. Vraiment, c'est une belle com. Hein. Ah, de ouf. Ouais, c'est propre la com, Oplon. Vous gérez. Gars, GG, voilà, hein. Vous gérez. En plus, GG, en joueur, tout cas. Il va peut-être gagner. On sait pas. Hein. Ça fait un petit peu de vue. Allez. Voilà l'opportuniste. Allez, c'est parti. 92%. Pas grand chose à rattraper. Bien sûr, non. Dès qu'on a 62%. Super Striker qui a l'avantage des pourcentages, mais pas l'avantage positionnel, hein, comme on peut le voir. Il se prend un peu tout et n'importe voilà, quoi. Voilà, c'est vraiment pas grand chose à rattraper. Ah. Le down smash un petit peu présomptueux, finalement. L'airdash de Sonic qui est vraiment incroyable. Hein, l'airdash de Sonic qui est incroyable, frérot. Ouais, c'est Matrix, mon frère. Par contre, la dash attack qui a bien l'edge rap. Notre Super Striker. T'as trouvé de quoi charger en vrai? Ouais, je l'ai mis. Bah, j'en ai qu'un seul. Merde. En bas là. T'as pas de. Non, j'ai pas de cap. T'as pas la tête. Ah merde. J'ai pas la tête, c'est pas grave. Bon. C'est facile, Paul. Salut, Neo Chronos. Quand tu rentres dans le chat, tu dis bonjour. Tu vois, le mec, il a trop la haine. Il a trop la haine. Allez, on est reparti toujours sur cette grande finale. 140%, peut-être la première stock. Non, le nerf qui n'est pas suffisant à sortir le dragon français de chez Oplon. On a tenté le F-Smash hein, en tout frame, encore une fois. Hein, c'est le meilleur outil de tout frame de Super Striker, de Sonic. On a 160 du côté de Mescol, on va vraiment pas essayer de gratter le plus de pourcents possible tout en gardant sa stock. Parce qu'on sait qu'on va la perdre, mais. Rien n'est joué. Mais rien n'est joué. Super Striker qui veut vraiment pas prendre de pourcents inutiles. Hein. Pas prendre de risques inutiles. 50% déjà, c'est un peu trop hein, selon lui. Ça tue toujours pas. Enfin, toujours ça, pas. Ça ne pouvait pas tuer de toute façon. 191%. Mais... Attention, un PR, un air, un back air, un F-tilt. Ouais, ben ce repère était pas suffisant, faut aller vers le haut. Allez hop! La stock, hein. ouais. La stock prise, le F-tilt. Première stock trouvée par Striker. Aïe, le 7B. Ouais, le 7B qui a mis 35! J'ai une dernière 85, et j'ai oublié qu'il y avait une stock de moins, j'ai pas fait attention en plus. Ouais! Allez, on essaie de trouver un kill move avec le petit. Les combos! Oh le combo incroyable! Mon ref! Il s'est réveillé là! Il s'est réveillé! Gâtez nos Strikers! De toute façon, Sonic contre les gros, il a vraiment des combos incroyables. Hein, oui, clairement. En plus, il a un damage de foot incroyable aussi, mais bon. Abracadabra, je te sors mon up smash. Sur le up smash, évidemment. Allez, on arrive bientôt à vraiment se réveiller. J'ai menti. Mais bon, ce n'est que le premier match. Ouf, voilà, c'est dash attack sur le shield. On punit directement dans le trop. Nair, on essaie d'avoir le down shield finalement. Voilà, le Tralby qui a pris le dessus. Dash attaque sur le shield, on punit avec le left shield. On a tenté de cover la roll-in malheureusement pour Striker. Mescol est plus intelligent que ça et va pas se laisser avoir par ce genre de. Il a voulu couvrir, se couvrir contre le spin dash. Ouais. Ça aurait pu être très fatal, mais voilà. Finalement, il trouve l'opportunité de sortie. 103% sur cette dernière stock. Le backer salvatrice pour revenir tranquillement sur le neutral du côté Striker. Striker qui essaie peut-être tant bien que moi de rattraper le retard. Et c'est le cas actuellement avec ce backer qui ramène directement aussi Mescol à la dernière stock, mais 118%. Ça peut être très fatal il pour lui. Il va chercher la tech incroyable. On tech sur ce ledge guard, en tout cas sur ce nerf ledge guard. Bien vu. C'est une petite boule de feu, hein. Le réveil très bien placé de la part de Mescol. Ouais, le réveil, mon ref. Vraiment super bien placé là, on va essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'on... Ouais, regarde cet air dodge, mon ref, c'est quand même incroyable. Hein. Le gars revient des bas-fonds de PS2. Attention, F-Tilt. Hein. Là, je pense un F-Tilt en sous-spot, ça peut tuer. Okay, peut-être pas de n'importe où, mais là. On va le chercher évidemment. Ok. Non, on peut rien faire. On peut pas essayer de douiller là, malheureusement. Les ailes du HB protègent Mescol. Ouais, 194, c'est vraiment de trop. Air dodge. En plus, on a la rage donc. On utilise tout notre arsenal. Oh, mais non, mais c'est quoi cet air dodge, mon ref? Bah, il avait plus rien. Il a utilisé très bien vu de la part de Mescol, l'air dodge qui était inutile. Là, il avait utilisé toutes ses options pour essayer de mix up un petit peu, tu vois. Trouver une opportunité pour revenir, mais. C'était claro, un peu trop. Claro. Un peu trop pour Striker. 1-0 pour Mescol. Ouais. Qui avance dans cette grande final. Qui s'approche tout à fait. Je pense que Mescol qui s'approche de la victoire du tournoi. Mescol, il dort encore. Il se réveille. Il réfléchit. Ah, il a mal.
Il est paralysé du sommeil. Il redort. Et il se réveille. Et il se réveille. Hein. Oh. Ah, il bouge son bras, tout va bien. Il a trouvé, il est content. Il a fait un joli rêve. Il se rendort. Il se concentre. Yes, yes. Let's play Arkham, il est trop marrant. Il est trop marrant. Oh purée. Je te jure. Fort. Voilà. Non, là, il se concentre. Je dirais qu'il va lancer un freestyle. Mais non, mais je te jure. Non, c'est... Allez, Strike, réveille-toi. Ouais, bah, c'est tu bon. N'es pas perdu sur ce match. Changement de skin. Mais Skull qui est entré, belle phase d'avantage, il change de couleur. Ouais, changement de skin des deux côtés. Changement de skin, bien bien original de Sonic. Bien sûr. On revient aux sources. Allez, speed à charger, on trouve, on touche, on trouve le nerf, le upper. J'adore cette musique de Hollow Bastion, franchement. En grande finale, tu peux pas faire mieux. Je te jure. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait là, mon ref? Ah non, il perd du temps, il perd du temps. Pas online, il perd du temps. Non, il est pas online, c'est clair, en tout cas. Ce que ça donne... ah ouais, ça voulait up, ça voulait mettre dans les bas-fonds. Allez, back air après ce speed dash trouvé. Ouais, là c'est... un jeu de positionnement incroyable des deux joueurs. Ouh hein. Très très bien vu l'air dodge. Tout ce qu'on cherche, c'est trouver des stray hits ou le bon combo starter. Ok, le fait. Ouais, c'était osé, il veut la mettre. Ah et save F-Tilt qui lui a offert un joli F-Smash. Catch one of these. Non mais... you know what it is. La marque de fabrique de Super Striker, ce gros F-Smash en pleine face. Qui a arraché la stock de Mescal. Et là maintenant, hein, c'est, ça va être un jeu de chat et de souris. On va essayer de... Ouh, ouh. On va essayer d'attraper Super Striker alors qu'il va fuir de son côté. Balancer des petits... C'est du hit and run, hein. C'est du hit and run. Clairement, c'est du hit and run. Et là... Ouh, ça trouve. Okay. Encore une fois. Là, c'est, les c'est options vraiment... pour mettre très mal à l'aise notre ami Mescal. Vraiment la situation. Ouais, ce down smash là, je pense qu'il n'était pas nécessaire. Non. À moins qu'il essaie de calculer la chose, le downer il est revenu en pic. Il a essayé de tuer là-dessus, ouais, 106% et c'est bah, voilà. De trouver la stock face à Striker et de pas laisser dans un avantage state. Comme vous dites dans le chat, c'est vraiment, t'as pas envie d'affronter Sonic quand il est dans cette situation. Et maintenant, force à Mescal qui doit jouer quand Sonic a le lead, ouais. C'est ça, hein. Exactement. Va attraper ce truc-là quand tu fais attrape-le par le col, exactement. T'es aussi lent que Phil Inferno. Non, j'abuse, mais... Oh, bah voilà, voilà, ça tech pas, ça tech pas. On le, pas le, nerf, le nerf surprise. Alors qu'il avait vraiment tout tech hein, depuis le début de ce top 8. Ah, rien n'est joué, hein. Des comebacks on en a vu sur ce tournoi. Des comebacks on en a vu sur ce tournoi. Ouais. Ciao, ciao Julie. Ciao Julie. Merci pour le T-Wing. Pero no tech. Pero no tech. Ah non, pero no tech. Pero no tech. Pero... Ah non, non, mais ouais, un Striker, c'est vraiment pas le, le Sonic qui endort les gens, j'ai envie de dire. Non, oh, Sonic qui va chercher l'agression. Il s'endort lui-même. Ça c'est vrai en plus. Mais non mais c'est vrai, il est vraiment connu pour son, son playstyle bien plus agressif, bien plus je t'as pas l'œil j'ai envie de dire, qui va te chercher là où mais il faut ça quand tue il pas, faut. Hein. Ça tue pas rien. Alors oui bon, online, si tu le connais du online, c'est pas le même homme hein. C'est vraiment pas le même homme. Oh là là, il nous balance des edgeguards comme ça, il fait vraiment plaisir. Il se laisse pas abattre. Cette première game il a peut-être perdu, mais les autres il va faire en sorte de les remporter. Regarde-moi ces combos là! Non, non, là ça, ça fait. Oh là là, le walk. Pas mal de dégâts. Ouais, dommage de pute de ce personnage, il est vraiment aberrant. Hein. Ah, aberrant, ouais, ça c'est le cas de dire. Je suis complètement d'accord avec toi. On revient tranquillou, attention au ledge rap de Mescal. C'est pas le ledge rap de Ridley, c'est le ledge rap de Mescal qui est dangereux. Hein. Ok, on peut avoir quelque chose. On a on a tenté, hein. Non, on mais a par tenté, contre. On a tenté, mais c'est lui qui a. Quoi? Ah, on n'est pas mort quand même, bah, on est quand même mort, relativement quand même, à bas pourcent, j'ai envie de dire. Donc, bah, heureusement... dis donc, un peu trop de chili dogs hein, du côté de Sonic. Hein. On n'est pas mort de ce F-Smash. Bon, allez, je dis pas 99%. Oui, voilà, bon. Direct, mais, allez. Hein, on a eu les Red Lightning, donc. Hein, ça, voilà. Ça va tuer par contre. Alors, on attrape hein. Pas ah, non, le okay. Gold, mais on a encore trop mangé de chili dog. Wouh ah, là, voilà, c'est le nerf qui suffisait. Mais à calmer a... un petit peu les ardeurs de Sonic. Ouais, bien sûr, Mescal qui a vraiment vu venir cette homing attack. C'est pas la première fois qu'il le fait de toute façon, un Super Striker pour revenir sur le terrain. Wouh! Une manière agressive de revenir sur le terrain. Wouah là là, t'as vu ça? Eh, vraiment passé c'est vraiment de trouver cette stock là, le nerf pour il a pas l'accueillir voulu... sur cet atterrissage de down air. Ouais. Le F-Tilt, pardon. Non, non, il a dash attack justement. Oh! Le config qui fonctionne? Non, ok. Oh, non, non, le config ne fonctionne pas, non, pas du tout.
Avec 4%, c'est dur à rattraper, surtout déjà qu'on a eu le kill screen. Ah, il a pas mal. Allez, le F-tilt, on va essayer de le let's go, peut-être non, finalement ça reste calme, on voit un F-tilt encore une fois, le jab. Il a 200, il veut vraiment pas prendre de risque, il se dit c'est pas grave, même si les pourcentages sont franchement, vraiment rouges. Je pense qu'une up-throw suffira à 5 heures de trouver. Up-throw, ça suffira. Oui, oui, je pense la up-throw ça suffira, non. On va voir ça, hein. Ou la back-throw. S'il la trouve, ou alors un F-tilt, ou un back-air. Oh, attention! Faut vraiment pas avoir! Oh shit! Striker! Ok! Ok! Ah, je pensais pas saturer ce side B de Striker, mais. Oh sa mère! Mesco qui a essayé d'arracher ton stock! La vie de merde! Quelle vie de merde! Quelle vie de chien! C'est pas un beau jour pour vous, putain, pour vous les Français! Pas un beau tu jour. Veux traite, donne-moi la victoire, bien sûr, c'est là, l'action. Bah oui, Striker ne comprenait pas. Striker ne comprenait rien du tout. I know it, dog. C'est ça, ouais. You don't know me, dog. Oh, le trade de fou, non, ouais, c'est clair. Il a rien décidé de l'interaction. Oh là là. Oh là là. Oh là, Takuni. Le bro Takuni dans les chat. C'est plaisir de voir autant de gens sur le stream. Sur le chat pour cette grande finale. Je vous salue alors que je suis en train de compter les heures, je suis même pas sûr de rentrer chez moi. Ça va rentrer en trottinette, hein. Ouais, ça va, Liège, Bruxelles en trottinette. Non, tu prends le train d'abord. Ouais. Non, la trottinette à Bruxelles, ça me dérange pas. Vas-y. Juste qu'il y a un train qui est dans une heure et demie, ouais, ça va. En vrai, ça va. Tu es chiant, moi je voulais oui, un petit bon. Chat à Bruxelles et tout. Je raconte ma vie. Ah, quoique, il y a moyen toujours, je pense. C'est reparti. Allez, on est de nouveau parti. SV. SV, ok. Il a eu si chaud. Ouais. Ça m'étonne. Allez, c'est parti. Bon, SV, est-ce que c'est une bonne map pour les deux? Ouais, Ridley, il aime beaucoup SV, hein, je ouais. pense. Enfin, je suis pas un expert, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais je sais qu'il aime beaucoup SV. Mais ça m'étonne que Striker ne l'ait pas ban, parce que de base, bah, t'aimes bien avoir de l'espace avec Sonic, ouais, c'est clairement. Pas une surprise, c'est pas nouveau. Mais bon, ça ne dérange pas apparemment. On de la deuxième game. Viens jouer, t'avais qu'à venir jouer alors. Il est là. Lâche ça. La deuxième game a été prise. Ce qui est fait est fait. Le destin a été scellé. L'éveil, MDR. Voilà l'éveil. Il s'arrête pas. Voilà. Il s'arrête pas. J'ai trop de fierté. Aïe. Ça c'était beau par contre. L'air dodge, oh ok. Oh là là, ça c'était pas mal, ça c'était il pas mal. Il a failli, ok, bon c'était c'est bon. Pas mal. Bon, finalement. On a rien vu. Bon, monsieur. Ouh, monsieur, ça shit bien. Arrêtez ça. Ok, chap, direct. Le V pour la réaction. Ah, c'est up smash là. J'aime bien comment il a marché là. J'adore ce up smash parce qu'il s'est vraiment pris pour Mario, vraiment de l'arrière. C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ouh, le down tilt, ok, ça tout frame. J'aime beaucoup. Ça, c'est... Oh, non, non. J'aime énormément ces air dodge en désavantage à mes school. Oh bon, voilà. Bah, Ce désavantage là, tu l'as cherché. Allez, le F smash de nouveau trouvé. Striker qui commence à venir, le tilt, hein, de rare fois que je vois ce mouvement. Ouais, hein. Après, c'est un bon combo starter à 0%. Ouais, clairement. Toujours à 97, hein. Ça a pas trop bougé. F-Smash ça peut vraiment revenir, hein. Bien sûr, F-Smash, Mescol, il nous l'a annoncé là que les F-Smash ça allait venir, mais... Oui, est-ce qu'il a forcément besoin d'un F-Smash là pour le moment, je ne sais pas. Là on rajoute à 7%, on a 116%. La peur n'est pas assez instaurée. Allez, 79 de l'autre côté. Okay. Et... bien dit. Très bien dit. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est infâme de venir chercher Ridley. Non mais... De ce côté-là, avec écoute, Sonic. Il lui montre c'est qu'il bosse. Oh, attention. Let's go, Striker. This dans l'air, dans l'air. Même pas besoin de dans l'air, en fait. Même pas besoin de dans l'air. Yes. Three stock. Il a three stock, frérot. Three il stock. A three stock. On devrait avoir l'animation like, du bowling, like, là. Like Mourinho say. Three Champions League. Three Premier League. Three stock. Nah, nigga. Ouais, bah, écoute. T'es parti 30 secondes. Je t'ai dit quoi, l'élève? Wa alaikum salam, Yoshitoise. Ouais, il a dit salam. Ah, ouais, j'ai vu. Yoshitoise. Wa alaikum salam, rahmatullah. How you doing, bro?
J'espère que... I hope you're going well. Yeah. Ouais, bon, Mescol qui s'est fait un peu fumer là. Mescol qui l'a un peu mal senti passer, mais... Ça y est. Je pense qu'il nous réserve des surprises. C'est qui met la musique là? Hein? Ah, c'est bon. Je voulais choisir une musique pour lui. Salut à toi, célèbre Norris. Yo. Bienvenue en tout cas sur encore le stream. Des gens qui... Tu es arrivé à la fin en grande fuite. Non, pas vraiment à la fin. Là, on est sur un match de reset. Hein. Bien sûr. Là, on est sur un match de reset. Hein. Soit c'est la Game 5, soit c'est le reset. Exactement. Ouais. Allez, on est reparti. Allez, 40% trouvé. 53. Mescol qui va peut-être nous sortir une adaptation. Et les techs, très bien vu. Une adaptation digne des élèves de Gluto. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah oui, c'est un élève de Gluto. Hein. Ça fait un bail maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait la Gluto Academy, si je n'ai pas de bêtises. C'est ça. Hein. Ça fait partie des élus. Les élus arrivent. Il est arrivé chez Oplon. Ah, frérot, regardez où ce qu'on a. Il est arrivé à Bâle. Grande finale en Belgique. Qui l'eût cru voir Mescol en Belgique? C'est vrai, hein. Je pense que c'est son premier passage en Belgique. Il y a quelqu'un qui peut... Oui, quelqu'un peut me le confirmer dans le chat? Il est pas venu au Bruxelles Challenge, je crois. Je pense que c'est vraiment son premier passage en Belgique. Ouais, donc c'est cool. Et c'est si cool. Je me trompe, je suis une connasse. Tu l'as dit en premier. Ouais, si je me trompe, c'est que voilà, c'est tout. Vous pouvez m'insulter dans le chat. Item va le faire. Oui, c'est la première fois qu'il sort de France. Ah bah voilà. Des premières fois qu'il sort de France, c'est rare qu'il sort en France. Okay. Mais pour la Belgique, c'est la première fois que je le vois, donc ouais. J'ai raison. Mais c'est cool qu'il ait commencé par la Belgique. Bien sûr. Puis bientôt, il va aller aux US. Qu'est-ce que tu crois, frère? Hein? Eh, vous dormez trop sur la Belgique. Il y a des cas perdus, je suis d'accord, mais il y a un striker. T'avais quelque chose à dire là. Il y a un striker et il y a Annie Bodax. Et vous vous rendez pas compte que... Hein. Mais eux, ils viennent souvent en dehors du pays, par contre. Ah ouais, bien sûr. Et surtout Nibodax. Kepax, what's going on, item? Allez, ouais, premier stock trouvé. Reconcentrons-nous. Beaucoup de cas perdus. Première fois, et le premier, même pas, les copains. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ça y est, on est fait mousse ici. Allez, trêve de bardage. Trêve de bavardage, là, on Smash, est... Qui ne prend pas on la a place, un striker qui se rapproche de plus en plus de ce... Sur reset. Sur reset, ouais. 87%, ça peut partir. Up throw peut-être, non, back throw. J'aime pas. Allez, situation désavantage pour Striker. Il s'en sort, non, il se prend ce nerf. Très bien vu, le trap au niveau du nerf. Encore un nerf, on essaie de sache pas que je n'aime rien du tout. Tu sors pas du nerf, okay, une petite taxe. Voilà, c'est F-tit qui trouve. Non, ça pointe pas encore. Non, across the stage, hein. CB, c'est grand. Beaucoup de cas perdus. Bah, ouais, écoute, le petit. Faut se le dire. Le petit qui prend la stock. Qui remet les choses, bah pas even, hein, il est quand même à 90%, ouais, 90% mais... c'est énorme, c'est pas vraiment even, mais non. En termes de stock, oui, voilà. On stresse un petit peu, on sent une hésitation à partir du moment où il charge son 2 tralbi. Ouais. La back throw qui renvoie au stage, on va chercher une deep edge guard. Ouh, ouais, ça va, le laissera peut-être. Ah, dommage. Ah, c'est air dodge qui était salvatrice. Ouais. Le bon jab qui met à peu près 20%. Jab. Allez, rien d'autre encore joué. On a fait un bon choix de map, hein, je trouve, du côté de Mescol. Ça lui permet vraiment de bien manœuvrer autour des conneries de Super Striker, on peut le dire. À 55%. C'est vrai qu'il est bien derrière du à son gameplay, c'est ça que tu voulais dire peut-être. Ah oui, non, du on. Du on, de la, ah, online. Du on, son gameplay, ouais. Oui, c'est clair, pardon, my bad. Non, c'est vrai, hein. Ouais, je pensais qu'on parlait de l'autre. Oh, très putain, bon confirme. Mais c'est quoi ce confirme, très wesh bon. Oh, mais ce confirme, c'est vraiment ce les confirmes gratuits, hein. C'est vraiment gratuit, c'est confirmé. Il était à 150%, il a quand même réussi à caler ça. C'est interdit. Je t'ai dit, ça l'arnaque, du, quand poids, tu, l'arnaque tu du poids, la hitbox, voilà. L'arnaque du poids avec une grosse hitbox. Une grosse earthbox, pardon. Aïe. Faut se poser des questions, qui ne paye ce perso. Pas. Non mais écoute. Ouais, ce backer, voilà. Très beau backer. Très bien vu, ce let's guard. Là, on met tous les deux à égalité, 32%, c'est que dalle. Ouais, après le damage output de Sonic, on le connaît très bien, regarde, il a mis 3 coups, il est déjà à 74, ouais, c'est clair. 72. Allez, le nerf, on jab, finalement on garde pas son shield. On perd tous ses rings, on prend ses 28%. Genre le mec il est trop roleplay. Hein. C'est bon. Vas-y là, ok, dash attack, possiblement le moment de ça, du reset, la balle de match du reset. Oh là là. Ok, on revient tous les deux sur le ledge, ouais, ce F-smash un petit peu présomptueux sur le shield, on descend. Attention, hein.
Pendant le falling upper qui était très bien joué, le nerf qui leur permet directement d'arriver au stage. Un moment très tendu, on a tentative de up smash, on l'a senti un petit peu passé, on essaie de les strap là-dessus. Aïe aïe aïe. Encore une fois, j'ai vu le move de smash. Mais oui. Le reset. C'est incroyable le confirme qui nous sort. C'est incroyable. Gadeb, le reset. Allez. Reset. Reset. Rembobine-moi tout ça. Grand final. Rewind. C'est pas un striker qui montre que c'est son tournoi aujourd'hui. Pas parce que Mescol il fonctionne un peu très bien. Paul. Eh, hey, c'est son prénom, Mescol, c'est Paul. Ah bon? C'est vrai? Ah, apparemment. C'est quoi? Stylé. Le GOAT. Paul, the twice the GOAT. Ça réfléchit, hein, ça réfléchit. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce prénom, ouais. Paul le GOAT. Oh non, il est chaud, il est chaud. Je l'entends toujours quand je joue à Mais Tekken. Il est devant Striker, là. Striker, il est... Il a des comptes à régler dans la street. Bien sûr. Il a pas aimé se faire... Il a trop bien visé, ce bâtard. Et en plus, il a bien visé, là. Eh, pas pendant le match. Moi, je sais pas viser, désolé. Oh, attends. Calus, il va nous taper, là. Calus, il est loin. Il est loin. On peut faire les conneries. Il reste un dernier petit public. Et ça, c'est tous ceux qui viennent prendre le train pour Bruxelles. On va prendre tous le même. On va tous prendre le même. Putain. Ah, il a choisi une bonne musique, là. On va s'ambiancer. Qu'est-ce qu'il a pris? Bah, une musique de Sonic. Tintin. Allez, Paul. Ouais, c'est la machine. Bienvenue. Eh, hey, ça y est, tout le monde est arrivé là. Il y a tous les poteaux de Mescol. Vous êtes arrivés sur le dernier FT5. Tous les poteaux non, de Mescol. Non, FT3. Ouais, FT5. Ouais. C'est long, hein, FT5. BO5, pardon. Ce dernier BO5 de la soirée. Tous ces gars sûrs qui sont venus le voir perdre. Le reset. Le voir perdre. La grande finale reset. Allez, faut encourager Paul. Let's go. Ça y est, tu vas juste l'appeler Paul maintenant. Non, non, c'est Mescol. C'est toujours Mescol. C'est dans le chat, il dit allez, Paul. Allez, Paul. Allez, Paul versus Clem. Imaginons vraiment le monde des pseudos n'existe pas. Admettons que le monde des pseudos n'existe pas. Il y a un monde où les pseudos n'existaient pas. Il y a que des prénoms. Il y a que des prénoms dans le sur le Smash G, sur le Smash GD. C'est insupportable. Comment tu reconnais les gens? Nicolas 1. C'est ça. Nicolas 2. C'est quoi le nom de Striker déjà? C'est Clément, non? C'est Clem. Clem. Allez Clément. Allez Clem. Allez, 110%, bel avantage en tout cas du côté de Sonic. Allez, spin dash sur le shield. Encore un bon choix de stage, tu crois, pour Mescol peut-être? Bah, j'aurais envie de dire oui, mais il a perdu la dernière game là-dessus, donc... Ça reste à voir. Moi, je trouve que j'aime bien, parce que... Allez, en plus de ça, il y a back. Allez, toute la France qui arrive. Bien sûr. Vraiment, vous arrivez Corizet, hein. Non, les gars, Sonic, c'est vraiment invincible. C'est vraiment il est invincible. Fou, on voit ça à chaque tournoi. On voit ça à chaque tournoi. On a bien rigolé. Walid, bah, c'est bon. Allez, il y a tout le monde qui arrive. S'il te plaît. Allez, le raid, super. S'il te plaît. Non, raid, on va encore jouer. Ouais, ce nerf qui a un peu touché le père. Très très bien vu de la part. Ah, bah, regarde. Il y a Dizai qui est là. C'est pour toi qui joue, hein. Regarde son tag. For Dizai. Ah, ouais, For Dizai, c'est pour toi. Ouais. Allez, très bien vu. Il était trop loin. Il était loin. Ah, il est pas réveillé, le bug. Oh, ça peut connecter, il est pas réveillé. La petite qui ne connecte pas, qui ne veut pas prendre la soc, ça va peut-être permettre. Allez, les gars, on veut du tir. Eh, Belchum, il où le tir là? Frérot, les Belges, ils dorment là. Ok, les Belges, ils dorment. On se fait envahir sur notre propre territoire. Bon, après, en termes d'envahissement, hein, je pense qu'on a un petit peu l'habitude. Oui, j'avoue que... Tu vois, nous, c'est un peu les Gaulois d'Europe. On a plus de joueurs européens plutôt que belges, enfin, étrangers plutôt que belges dans nos tournois. Je pense qu'on a un petit peu l'habitude. Hein. Ouais, c'est bon. C'est plutôt nous qu'on raide un petit peu les tournois français. Qui a envahi, putain. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde est belge. Hein. Oh la bordel! C'est tout frame, 48%, c'est que dalle c'est à remonter! Il est mort à 70. Je vois, regarde, il suffit que je balance des feintes sur la Belgique et il se dit. Non, je vais te prouver que c'est le contraire, mon ref. Bien sûr! Ah, le F-Smash de Sonic, c'est vraiment un projo, mon gars. Underdog Boost! C'est un projo de malade! Vous êtes des fous, bien sûr!
Ah ouais, oh, ah ouais, pas ah, mal. Non, ça tue pas tout de suite. Il a bien pas menti, tout là. De suite, pas tout de suite. Allez, ça prend le left tilt. Non, oh, ok, ce smash qui était dans le vent. Il esquive tout. Striker commence à revenir petit à petit à reprendre du terrain. Striker, il esquive tout là. Il esquive tout. Normal, c'est Sonic. MDR, on essaie d'être au play. Ouais, oh, le père, il a un pet fatal. Là, on peut se prendre un peu n'importe quoi. Tentative de backer là-dessus. Ça peut mal finir. C'est le moment là. D'avancer un petit peu dans cette winner, dans grande finale reset. Ouais. Le backer qui était sûr. Très très bien vu. Ce backer out of shield permettant à avoir ce premier point dans cette grande finale reset. Première game du reset pour Mesco. Après, Mesco l'a aussi pris la première game. La grosse cuisse. Toi, les là... cuisses à Ronaldo là. Là, le tibia Cristiano Ronaldo sur la gueule de Sonic. Là, c'est des cuisses refaites, c'est des cuisses de cyborg là. Hein ? C'est des cuisses de cyborg, elles sont refaites. C'est... Ouais, c'est Ridley. Clair. Kalos. Balut fight. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Elle date cette map. Allez, Striker, il se réveille. Ok. C'est bon, il est réveillé. Il réfléchit. Bismillah. Allez, c'est le parti. Timing est incroyable. Je te jure. Allez, sale. On le baise. Ridley. C'est reparti. Sonic Ridley. Match 2 de cette grande finale reset. On reprend le Metal Ridley, la gueule bien verte. Ah oui, on est d'accord. Sur le bastion. Très belle match, je le rappelle. Grand 3-0, on ne part plus. Je pense pas que t'es trop... Ouais, cet homme a l'air d'être visionnaire. Là, Striker, il va prendre les 3 prochaines games. Rien d'autre. J'ai envie de dire non, mais faut rester impartial parce qu'on est casteurs. Frérot, quelle impartialité. Je suis payé par qui, moi. Non, faut être impartial, là. Je connais, c'est ça. Hein. On caste une grande finale, frère. Après, j'ai envie de te dire... Non, c'est pas grave. Attendez, on porte la poisse là, on porte le mauvais oeil. J'aime pas c'est ça. Bon, c'est bon, t'as j'aime raison, pas t'as ça. Raison, t'as raison. Allez, 94%. Striker peut sortir à tout moment. 54% ici de l'autre côté. Et ben voilà, t'as vu, on a porté la merde. Poche, mon ref. Par contre, il était clean son down tilt upper là. Ouais, non, le down tilt upper c'est un très bon. Bien. Non, c'est un très bon, on confirme ça. J'aime beaucoup. Ah, c'est encore une fois le Projo F-Smash. Mais là il a pas très bien touché hein, depuis pas mal de temps. C'est à la même distance qu'un Hadoken. Premier degré. Le mec il est vraiment sérieux. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Ok. Balance pas mal de homing attack. Hein. Il aime bien ce move. Eh, je pense qu'il est en mode pilote automatique là, notre Striker. Non, il faut qu'il se reprenne un petit peu. Non, je pense qu'il commence à être fatigué là en pilote automatique. Mais voilà, rien de compteur joué, 76%. Je rappelle encore une fois l'arnaque du poids qui est Ridley. Les dégâts peuvent aller très très vite. Bien sûr. Polo format de top monde. Aïe aïe aïe. Ah. Dans ce rôle. Si, up tilt, upper. Le père up tilt. Up tilt, upper, pardon. On connaît vraiment tous les bonnes campions. On change un petit peu de place. On est en désavantage. Mescol et encore une fois. Petit commit de la dash attack. Petit commit qui pourra permettre. On essaye un petit peu. Ouais, on la légère là. Ouais. Ça ne revient pas à 71%. Tout est encore faisable. Cette dash attack ça peut vraiment mettre pas mal de dégâts sur la Earthbox. Qu'a très cher ami Ridley. Oh ya ya. Allez hop. Il est trop chaud. Retournez. Tidus FF10. Vous avez capté. Mesco le voit tout. Mesco le voit tout. Là, 0-0, mais ne vous y prenez pas. Aïe. Il y a une stock en plus du côté de Mescol. Bien vu ça. Il joue le neutral au ledge, mais ça devient chaud d'approcher. Ouais, non, clairement, mais lui c'est son dada. C'est son dada en tout cas. Bien sûr. Le down tilt, encore une fois. La range incroyable de ce move. Attention, les bonnes phases de Sonic, de Striker. On va avoir quelque chose. Petit ledge rap intéressant, pourquoi pas. Non, malheureusement, on essaye de pas prendre trop de risques. 90% quand même, hein. c'est quand même pas mal. Hein. Quand même pas mal pour Sonic. Mescol qui peut forcément sortir des bons confirmes. Que des rides de top, ça je reconnais. Oh, bien vu, Ledge Guard. Striker ne se laisse pas faire. C'est pas fini. Trick notre repère. Hein. J'ai une théorie selon laquelle Ridley a le match-up. Non, c'est ta théorie. Mais t'as raison. Hein. Ah ouais. Faut pas laisser dire ça. Ah, attends, non, je sens que c'est un bait et je vais faire semblant d'avoir pas vu. Merci pour la théorie, que j'ai pas envie de savoir. Parce que je vois Marchand, il a dit range ta théorie, allez. Aski, Sonic, il a du mal contre certains épéistes. Bah après, Ridley, on peut voir que c'est un épéiste hein, avec ses gros disjoints, mais ça se dit pas. Ok. Tu peux pas dire ça.
131, il arrive quand même à trouver des petits pourcents et à ne pas mourir. Là par contre, la boule de feu. Ouais, il a pas pu confirmer par contre, il avait trop de pourcentage. Oh, c'est pas fort pour le 7B, heureusement, on était vraiment plus rapide. Plus rapide que le Pirate Rush. Space Pirate Rush. Bon, grave, très bon grave. Ça va H3, d'accord. Cherche une Edgeguard, non, malheureusement. Tentative de l'extrap finalement abandonnée. Le Dantil. On n'a pas pu avoir un backer, on a quand même eu le Dantil qui a permis de remettre offstage malheureusement. Attention, là maintenant c'est... On a passé un peu trop de temps offstage. Ok, dash attack. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le corner. La homing attack, il a essayé de la parry. C'est bon, on fait quelque chose de bien dans ce l'extrap, merde. Comment il s'énerve. Je te jure. Regarde tous les pourcentages qu'il a réussi à remonter, hein. Non, c'est clair. Ah, okay. La dash attack. Elle est fatale, la dash attack. Ouais, hein. Alors, dans le chat, vous avez tous serré les fesses, quand même. On va pas se mentir. Hein. Vous avez tous serré les fesses. Cette dash attack qui a pris... La même dernière stock de la précédente game. Hein ? Elle a pris du temps à sortir, cette dash attack, en vrai. Ouais, mais il la garde. Serait il la garde ainsi, jusqu'à la fin. Serait ainsi, je te jure que tu mens. Neochronos, voilà, je te jure que t'es en train de transpirer du dos. On les voit, t'es s'il te plaît en all caps. Je le sens, tu transpires du dos. T'es s'il te plaît en all caps là. Eh, hey, je vais pas te mentir, j'ai un train à prendre, donc s'il finit, il finit. Tant mieux. C'est vrai. Néanmoins, y'a la Belgique qui joue, donc hein. Bah oui. Je sais pas. Ouais, c'est du beau jeu qui nous montre là, les deux joueurs. Ah non, vous transpirez du dos, vous êtes fous quoi. Je suis sûr, vous transpirez du dos. Vous allez lâcher un gros P de victoire avec, on paierait combien? Si c'est Tracker qui gagne, ne pète pas s'il te plaît. Putain, je suis à côté de toi. Ah, allez, c'est reparti, de nouveau sur Holo Bastion. Ouais, là, les premiers dégâts sont déjà comptés. C'est Mescol qui déroule dès le début, hein. Ouais, 76%. On est déjà offstage. Non, pitié. Il va pas mourir là quand même. Okay, non, c'est non, bon. Non, ça aurait pu être vraiment fatal. Ça aurait été tragique. Finalement, on s'en sort encore. Du côté de Mescol, 6% c'est que dalle. Très bel avantage. On va pas se mentir. Bon, 77% d'entrée de jeu, hein, ça fait mal. Ça fait mal, surtout pour un Sonic qui veut vraiment prendre le lead. Un point F-smash chargé. Oh, ça le met de côté. Voilà. Voilà. Mais c'est une blague. Eh, voilà, je te jure, je suis en train de porter l'œil à. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en même temps. Je suis en train de porter l'œil à Striker. Non, c'est bon. C'est une dinguerie. Ouais, je vais prendre le train. On dit plus rien. Non, la ride, elle est malade. La ride, elle est vraiment malade à ce que je viens de dire. C'est vraiment malade mental. Y'a pas à avoir des caractères. Franchement, des comme ça là. Au plomb, très belle recrue. Voilà. Vous avez bien choisi le joueur, ouais. Vous avez bien choisi le joueur. Quelle insolence. Bah par contre c'est pas fini, hein. 117% et là on a des Edgeguard. J'en profite parce que c'est peut-être la fin de Striker, donc j'en profite pour une promo. Qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez dans le chat, mais venez porter vos balls le 14, 15, 16 juillet, Bruxelles Challenge. C'est vrai. 512 joueurs, si je dis pas de bêtises. Oui, venez porter vos balls là. Le vous Major, parlez, le Major avoir Belgique. La même place que Neochronos, que Mescol, pardon. Laisse-le. Parce que en fait, je vois Neochronos dans le chat. J'ai envie de le goumer. Ah ouais, d'accord. Je rigole. Non, là, t'inquiète, il va rien faire. Vas-y, allez. Back fou malade quoi. Prends la stock. Creed, allez, voilà. Il y a des gens qui sont chauds. Pew m'a dit, ouais, je suis chaud. Je viens de lui demander. Bien sûr. Après, vas-y, je suis aussi chaud que Mescol, je prends. Bah venez. Vous êtes malade ou quoi? En plus, c'est une nouvelle venue. C'est vraiment plus proche de centre-ville. Donc, après, vous allez pas le rater. Est-ce qu'elle est mieux que la venue à Ever là? Frérot, c'est Tourek Taxi quand même. Je sais, mais. Non, c'est une salle d'exposition, c'est grand. Tu peux accueillir plus de 1000 à 2000 personnes, je crois. T'es un malade ou quoi? Ça va être incroyable. T'as tout à proximité, je travaille juste à côté. T'es un ouf ou quoi? Qu'elle donne que des points positifs. Ah, je te jure. Bon, sinon le match là, c'est comment? Bah. Salut. Le match. Mais qu'est-ce qu'on dit? Deux stocks de chaque côté. Striker qui essaie de venir. Il balance. Ah, mais... 79%. Oh bah, les gars, c'est pas encore terminé. Mais t'as Mescol qui balançait des c'est dash pas encore terminé. Un peu hasardeuse. Ouais, bah il est où ton smash de top là? Parce que je vois, je viens faire d'aventurier, pas de top. D'aventurier. C'est pas. Je m'en fous, moi, que ce soit un top ou pas. Attends. Eh, vous aimez trop les grades. Là, je me sens aussi aventurier, le petit Mescol avec ses dents. Eh, vous aimez trop les grades là. Là, c'est Sonic le héros. Sonic le rebelle. C'est malade ou quoi? Sonic Speed.
Sonic. Qui s'en rappelle de dessin animé Sonic le Rebelle? Je sais pas, mais ça existe en plus, c'est pas une série? Oui, oui, c'est la plus grosse dope que j'ai vue de ma vie. Voilà, c'était une pause dessin animé. Eh, voilà, c'est ta chatte un petit peu présomptueuse. Attention, on arrive directement le EPR. Mais Skull, il veut pas se faire frame trap. Hein. Non, non, il veut pas se faire frame trap. Là, on a quand même quelque chose. Faire un dodge de débutant, s'il te plaît. Allez, non, on est au mini attack, ça ne passe plus, ça ne passe plus. Mais Skull ne se fait plus avoir. Le side B, évidemment. Le side B, voilà, on attrape par le col, on met dehors. Ouais. Balle de match, situation de balle de match pour Skull. 87%, faut vraiment qu'il fasse très très attention à ne pas prendre des dégâts conséquents de la part de Sonic comme celui-ci. Voilà, 96%. Là, c'est peut-être. Je pense que. Ridley est à kill pourcent peut-être. Bien sûr. Il faut trouver un bon backer en ouais, en là, bord de ledge. Pourcent, voilà, 103%. Le fer qui a été trouvé, on se pose sur la plateforme. Spin dash, nair. Attention, situation de ledge guard. Aïe aïe aïe. Très ouais, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Allô. Allô. J'aime allô bien. Allô. Merci Nocronos. Allô, attends, pause. Allô. Nocronos, allô. Allô, je t'entends pas. Putain, j'ai pas de réseau, je vais aller là-bas. Allô. 3-0 t'as dit. Allô. Allô. Putain, je savais pas que ça existait à la chat curse. Allô. Chat curse, c'est une dinguerie ça. Qu'est-ce qu'il fait? Putain. Il est fou quoi. Voilà. Il est malade ou quoi? J'aime bien ça. J'aime bien ce que vous proposez. Peut-être que Striker pourrait perdre 3-1, ça suffira pour moi. Moi il est ouf ou quoi? Allô. Il est malade ou quoi? Ah putain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la game de charité. Striker, ah, vous avez trop fort. De fierté, putain. Il est juste plus fort. Vous avez trop de fierté. Là, les gens viennent en Belgique, on les accueille. On le donne, le cash prize. Tu vois comment ils nous parlent. Tu vois comment ils nous parlent. Arrêtez ça. Putain. Ah, je te jure, gros. Nous, on vient en France avec le sourire. C'est vrai que on vanne pas souvent. Les Français. C'est vrai que tu vas souvent, toi. Ah ouais, et on vanne pas les Français. Tu vas au Wanted je sais pas quand il est, d'ailleurs. Il est hein le Wanted qui arrive. Je pense qu'il y a un Wanted fin mai, si c'est je dis pas de bêtises. Et t'y vas? Fin mai ou début mai, hein, les Français, si vous pouvez. Ouais. Ah, on peut faire la promo du Wanted. Vous hein. Pouvez nous dire. Non, bien sûr. On est gentil, tu vois comment. Ah non, dans tous les cas, je trouve Sora meilleur. Venant d'Amen Sora, je peux comprendre la défense. Allez, on est reparti, 69% du côté de Sonic. Et qui rattrape. Ouh, c'est le Red Lightning. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà. Le plongeon. Enfin. Oh là 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 là. Le point de la vérité. Le point de la Belgique. Ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. Ouais. C'est vrai que ce perso... Ce perso. Oui, non, mais le perso entier, hein. Oui, le perso, il fout la mort, mais... Hein. Ne serait-ce pas le héros le plus iconique de la Sega? Hein. Parce que c'est le personnage principal. Allez, on smash, les gars. Sonic, c'est stylé. De ouf. Allez, les gars. Ah, faut doser, putain. Eh, c'est vrai que c'est un perso de merde. Je vous l'accorde. Mais c'est parce qu'il est belge qu'on l'aime bien. Ouais, Tao. Comment ça va? Tao, tu dates. Allez, on trouve la stock du côté de Mesco, 70%. C'est encore faisable de revenir. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, les deux joueurs, c'est des clutch monsters. Des clutch monsters, ces deux-là. Ah non, c'est vraiment des clutch monsters, mais finalement... Oulala, le sp... un petit ouais, bizarre. Ok, dans le trop, fer. Attrapé par le on voyait le downtilt arriver, mais finalement, c'était un autre fer, mais finalement, ça a été whiff. Allez, spin dash chargé. On le cancel assez rapidement. On commence pas à être un petit peu trop greedy du côté de Striker, là, finalement. Oh, ça a tenté le smash. Que le smash, ça aurait raté le smash, on l'a vu de sortie. Hein. Ouais. Allez, de nouveau encore un speed dash. Ouais, c'est encore ce jeu de chat et la souris. Hein. Ouais, parce qui est toujours en train de le poursuivre. Et hop, ok, ça mâche. Hein. Ah non. Oh bordel de merde. Ah, il y avait un combat de smash entre les deux là. Ouais. On les a vus, Qui est la plus grosse? Mais frérot, arrête. Mais t'avais un backer, il a fait un EPR, wesh. Moi, viens. Pied-bouche. Tacle, hein. C'est quoi un tacle, hein. Ça me fume. Ouais. Oh, il est arrivé sur la ligne de défense, le tacle, tu rentres pas. Le tacle, là, il est malade ou quoi? Zinzin. Rio Ferdinand représente. Attention. Sergio Ramos. Ah, le Sedbik a tué. Finalement dehors. Sedbik a tué, pas mal. Et là, c'est Dead Even, potentiellement le dernier stock de Super Striker. Je pense, c'est une question, il sort frame combien le smash de Ripley? Je sais pas, frame 30. Non, je sais pas, j'en sais rien du tout. Je crois qu'il sort plus rapidement que celui de Sonic, donc.
En termes de smash, ça me... Oh là là, mais attention, attention hein. On est encore sur la balle de match de Let's Go. Bah oui. Mais non, bah oui. C'est une Game 5. Allô, le Chronos. Les gars. C'est une Game 5. Les gars. Allô. Qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Allô, vous voyez ce qui est en train de se passer, là? Mais dis donc, comme on appelle chez nous, chez les Arabes, tu portes la haine. Tu portes le mauvais œil. Arrête. Sois un peu plus réaliste. Sois un peu plus, je sais pas, impartial. Peu de chance, les gars. Faites un bon match. Allez. Dernière stock. Arrêtez de curse. Dernière game. Les gars, y a quelqu'un qui porte l'œil dans le chat, donc allez voir avec cette personne-là. Je me demande même là, c'est plus mon dos, là. Là, on est sur cette Game 5. Et je regarde la montre et je pense qu'on a encore le temps de prendre le train. Si on finit cette gros, je vais rentrer vite, chez moi. Faut finir vite. Oh purée. Je vous jure, le responsable c'est Nocron. Eh, hey, c'est pas mon dos. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Il y a un problème en interne dans le chat là. Eh, hey, par contre, vous l'enchaînez avec son pseudo, enfin, avec son prénom sur le chat. Moi je me suis calmé. Paul. Oh, one item. Oh, il nous a sorti un petit banger là. Ah ouais, banger pour finir. J'ai pas vu. Non, je vois pas, mais j'entends. C'est quoi? Ça vient pas de... Comment ça s'appelle? Attends, les jeux de Simon là et tout. Attends. Ouais, tu verras le nom là. Ouais, c'est caché par la grande finale. Ah, pas du tout. C'est Megaman. C'est Megaman, non? Ouais, c'est Megaman. Oui. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bravo la culture. Ouais, ma culture vidéoludique est vraiment présente, quoi. Allez, sur DF. Game 5, grande finale, les gars, on lâche pas. Grande on finale lâche pas, de Vulcan, numéro 6. Eh, la victoire est à votre portée. 86% sur Striker. Ça devient très compliqué. Vraiment, c'est vraiment le... Aïe, aïe, aïe. Il a pas de tech. Il a pas de tech. Tu tech tout le tournoi. Tu tech pas, c'est grande finale. Je comprends pas. Attention, peut-être situation de combat, 41%. Le lèche-rap. Alors ? Le lèche-rap qui ? Non, alors mais pas de lèche-rap, j'ai rien dit. Regarde, Nocronos, parle après le match, sinon tu vas porter le. Ouais, c'est ça, dis plus rien. Ouais, je te jure, c'est vrai. Après le match, bien. Mon ref. Allez, le FR. Oh, le smash ! Qui ne tue pas ? Le smash, qu'est-ce que je disais ? Let's go ! Non, la contre-edge guard de Mescol ! La contre-edge guard. Ce roi ! Et là, vraiment, ça revient. Trop fort. Vraiment très très fort en tout cas. Ça reprend le contrôle du stage. Oh, il est arrivé derrière, wesh. Il a le smash, il est déjà derrière lui. C'est quoi ce frein instant de malade? Ok. Migaté. Ok. Je te jure, il est passé à la migaté. C'est un fou. Ok, le backer, dommage, c'était pas le bon hit là-dessus. Oh là là, là c'est parti. Deux stocks de chaque côté, 67%. Le comeback est peut-être assuré. Mais bien sûr. On ne sait pas. On ne sait pas. Ok, ça veut l'attraper en call, on esquive de justesse. Il est tombé. Ouh là là, le F-Smash, il peut le diriger vers le bas, je pense, le F-Smash. Ouais, non, je sais pas, mais ça touche. Ça touche le ledge. Ça touche. Ça touche le ledge. Grande portée, j'imagine. Ouais. Ouais, donc il y avait moyen. Quelle personne nulle, Ridley. Pourquoi il joue ça, lui? Pourquoi il joue ça? En vrai, Sora, il est pas nul, ouais. Non, c'est vrai. C'était juste pour la vanne. Désolé, Rusher, c'était pour la vanne. Il a trop mal pris. Non, Rusher, c'est un BG. Bah attends, parce les pourcentages montent. Les pourcentages montent petit à petit. Non, le F-Tilt. Le F-Tilt, il va peut-être le niquer. Oh ah, c'est bon. Ah, le backer. Le backer dans l'intral galop. Pas les pas d'intral galop, c'était le pire moment malheureusement pour toi, Super Striker. Le 7B. Allez, 7B directement. Oh, il a essayé de l'assassiner. Le backer. Est-ce qu'il va remonter? Non, ok. Il va remonter finalement. Allez, le faire, on trouve les dégâts ici. La tech chase, la bonne tech chase, je le confirme. 98, on charge un F-Smash un petit peu présomptueux là. Ouais, ça marche pas sur le top player, ok, mais cool. Alors, rien à congé, aucun embrouille entre les deux joueurs quand même, qu'ils essayent encore de trouver ton mec mode une sortie. Ah, il il essaie d'éviter le moins de dégâts possible. Allez, on trouve cette vidage finie du. Allez, sors-moi cette stock. Le petit gimp. Non, ça ne marche pas malheureusement. Les ailes invincibles qu'il protège. Encore une fois, le F-Smash un petit peu trop tenté, le F-Tilt. J'ai cru à F-Smash. C'est le moment de plus belle. Allez, on est... Oh, le backer, il a plus rien. Il a son saut. Oh, la roaming attack, mais incroyable. Il a encore le Uber, frère. C'est fini. Mescol qui termine ce tournoi. Il finit en grand roi. En Game 5. Avec la smash attack préférée. Bravo les gars. Bravo. GG à vous. Non, c'est bien. Félicitations à Mescol. Est-ce que c'est parce que Neo Chronos a rien dit depuis le début de la game? Ouais, j'ai pas suivi le chat.